Alors là aussi, eh ben, nos amis les animaux, les petits chiens, ici c'est Max, eh ben, eux aussi sont à la rue. On est rue Édouard Herriot. Eh ben, on peut faire apporter des petites croquettes à Max, des petits gâteaux, et puis aussi par sa maman qui est là, qui a besoin de réconfort, de vêtements chauds, d'un cachet, c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà, nos amis les animaux sont aussi à la rue, c'est le plus fidèle ami de l'homme, et nos amis à la rue ont bien besoin de leur toutou pour pouvoir supporter le froid, et toi, bah, tu souffres du froid aussi, je te vois trembler, hein. Oh là 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 là. Donc voilà, aidez-nous à aider ceux qui sont à la rue, on en a besoin, et on est en train de donner des vêtements, des couvertures, un manteau pour la personne qui est ici. Voilà, on est rue de la République, ben, un autre toutou, une dame qui est à la rue, on nous dit souvent qu'il n'y a pas de femme à la rue, ben voilà, c'est le cas ici. Elle ne veut pas être filmée, on respecte son anonymat. Coucou toi. Hein? Oh là là, oh là là. Allez, on en lance un appel, aidez-nous à trouver des solutions. On est en train de remplir une fiche pour trouver un job dans la menuiserie. Donc si vous avez une proposition à faire, on est là. Merci. Et voilà, Max est là pour nous rappeler qu'on doit... tendre notre main à ceux qui en ont le plus besoin. Hein, n'est-ce pas mon petit Max? Oh là là, mon toutou. Et son petit toutou est là et il attend des caresses, il attend aussi des gestes de solidarité. Voilà, on est de tout cœur avec vous. Et on est, voilà, en maraude, rue de la République, à 10h30 du matin. Voilà la situation. Voilà, notre équipe est en maraude rue de la République, en face des grands magasins, et on a un homme qui est couché à même le sol avec des couvertures. Et voilà la situation de nos rues ici, en pleine journée, rue de la République, quelqu'un qui dort à même le sol sous des couvertures. On est en train de lui donner un peu de chaleur humaine et tout ce qu'on peut pour l'aider. Nous avons ici Radio Lyon Première qui est en train d'interviewer un ami à la rue. On respecte l'anonymat, c'est pour ça que le plan est de loin. Oui, Josiane, bonjour, c'est Jean-Marc Roffa de Donner la main dans le soi. Bien, donc je suis place Bellecour, je suis avec David. Et il fait peut-être partie des personnes qui ont besoin éventuellement de profiter d'une chambre. Si des personnes veulent donner des vêtements, privilégiez surtout les couvertures. C'est vraiment le truc qu'on a vraiment besoin, ça tient chaud pour les sans-abri. Et voilà. Donc si vous avez des couvertures et que vous pouvez nous les donner, n'hésitez pas, nous sommes là. Vous voulez ça aussi? Oui, ça va aller. Attends, allez.